Jessica, je suis guide naturaliste ici aux eaux sauvages de Saint-Félicien. Donc le poste, en fait, il consiste à aller rencontrer les visiteurs dans différents secteurs du zoo et aussi d'animer les collations des différentes espèces qu'on a ici aux eaux sauvages et aussi de parler de chacun des individus. Donc les tâches à accomplir sont vraiment diversifiées. On commence vraiment la journée en nettoyant, par exemple, les panneaux d'interprétation des animaux. Et ensuite de ça, on va animer des collations, rencontrer les gens pour discuter en fait des écosystèmes dans lesquels on va retrouver les espèces qu'on retrouve ici et parler beaucoup des interactions qu'ils ont avec leur milieu. De plus, on va également présenter nos animaux de l'éducation qu'on a ici au zoo et également présenter des artefacts ou par exemple des animaux empaillés ou des fourrures également dans des classes ou même ici au zoo sauvage. Mais en fait, ce qui est le plus important de notre tâche à nous, les guides naturalistes, c'est d'observer les animaux, les comportements qu'ils ont entre eux également et de transmettre toutes les informations au gardien qui est attitré au secteur. Donc moi, j'ai choisi de venir travailler au zoo en fait pour l'expérience et aussi parce que le zoo est très bien réputé dans les parcs animaliers, mais également pour l'environnement de travail dans lequel je suis amenée à travailler. En fait, c'est vraiment en pleine nature, donc c'est comme si on faisait des randonnées toute la journée. Et c'est aussi pour observer les espèces animales en fait qui ont tous une personnalité qui est unique et on apprend vraiment bien à les connaître avec le temps. Donc, ce que j'aime le plus et ce qui me motive en fait également de venir travailler ici au zoo, eh bien, c'est la proximité qu'on a avec la clientèle et les visiteurs en fait. Donc, c'est un bon moyen de discuter, on échange sur toutes sortes de sujets, mais c'est également surtout l'équipe de travail, on est très très amené à communiquer avec eux et avec différents secteurs du zoo, donc autant les guides naturalistes que les gardiens et toutes les autres personnes qui font partie de la grande équipe. Donc, si t'es quelqu'un comme moi qui est passionné par la nature, qui aime aller à la rencontre des visiteurs aussi et qui est passionné par ce qu'il fait, eh bien, je t'invite vraiment à venir porter ton CV ici pour joindre l'équipe du Zoo Sauvage de Saint-Félicien.